Ah, c'est là qu'on va combattre les deux là, les neveux de Baldur. Peut pas descendre. Tu me laisses le petit. Salut Fab, mon bouclier c'est celui qu'on récupère quand on finit le jeu en God of War. Où est-ce qu'on va là-bas? Ce sont les hommes qui étaient avec Baldur, ouais. Ses neveux. Oui, Magni et Modi, les fils de Thor. Mère disait toujours que les As étaient les pires des dieux et que Thor était le pire des As. J'imagine que c'est aussi un mauvais père. Ce ne sont plus des enfants. Ils n'ont pas d'excuses. Sindri va s'en sortir? Ils ne le trouveront jamais. Les As, faut tous les massacrer. Bon Aporion. Ah oui, ah, la grande salle de festin. C'est pas maintenant le combat. La fierté de Midgard. C'est drôle, j'avais le souvenir qu'il y avait un immense chandelier. Il donnait vie à ce lieu. Là. Ah oui. Tu ne peux vraiment pas t'empêcher de tout détruire. La destruction. Oh. Si je me souviens bien, le trône du Jarl se trouvait juste de l'autre côté de ce mur. Yeah. Rat attack. Ça va, géant? T'as pas trop mal? Tiens, j'avais oublié ça. Arrête de crier. J'ai déjà bien galéré face aux Valkyra en difficile, alors j'ai merci beaucoup. C'est vrai que ça a duré un petit moment de tous les tuer, les Valkyries en God of War. C'était assez intense. Alors, on va faire toutes les parois. Allez, on y va. Ah. Le bouclier. Ouais, là on le refait en
en New Game Plus et on est encore en God of War. Bah le truc c'est que je l'avais déjà fait en God of War avant qu'il... Je me suis bien tiré, hein. C'est mieux. Qu'ils sortent la mise à jour, donc point de vue équipement, j'étais en full Valkyrie, tout ça. Ça aurait pas de sens de baisser la difficulté. Oh la vache. On va faire un peu de rage. T'en vas aussi toi? Tchouah! Le bordel concret. Ok, on a tué, ouais, on a tué tout le monde, c'est bon. Ah, il y a peut-être là. Voilà. Tu vois, il va bien. C'est un nain. Sirène éclipsée quand les fils dégénérés de Thor ont débarqué. Eh bien, concentre-toi sur ton travail et cesse de... Voilà, les fils dégénérés de Thor, je suis bien d'accord. Je veux voir un peu, avant qu'on choisisse un... Avant qu'on choisisse un talisman augmenté, je veux voir si... Si les fils là, les fils dégénérés vont nous donner quelque chose. La première fois j'avais galéré en God of War ici. Donc j'espère que ça va mieux se passer. Allez, t'es parti. Dépêchons, on peut peut-être récupérer un éclat du burin et nous éclipser avant qu'elle nous voie. Ou pas. Bon. Toi. Atreus. En toi, le père de tout l'exige. Non. Tant mieux. C'est mon combat, Atreus. Va-t'en. Où est-ce que tu vas comme ça? Oh non, mon frère. L'avorton à un arc. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu n'as pas d'ordre à me donner. C'est parti. Attaque. Oh oh. Oh. J'avais oublié ça. Pourquoi nous poursuivez-vous? Que veut Odin? Je
je sais pas. Je m'en fiche. Viens là, bâtard. Arrête de te cacher derrière ton père. Tais-toi! M'appelle pas comme ça! C'est fou que tu aies... Ah, il y en a un devant. Tes pauvres bras peuvent à peine soulever. Je t'ai dit de te taire! Calme-toi. On dirait qu'ils n'ont pas reculé. No. Je me sens mal. Là, c'est reparti. Ton père doit avoir honte de te traîner. Fais le vide. Concentre-toi. Boum. C'est si fait. Ah. Fait l'autre. Ah ouais. Oh. Non, non, non. Coup de tête. Faut qu'on régène de la vie parce que là. Elle t'a tailladé le visage pour que tu m'y ressembles. Ne parle pas de ma mère. Touche pas à ma maman. Ne l'écoute pas, petit. Il essaie de te provoquer. Oh la pute! Toujours essayer! Tête! Désolé, je sais, je suis allé trop loin! Mimir aussi, il se met à insulter. Enfin, à provoquer. On traînera vos carcasses jusqu'à Asgard! Abusez bien! Maudit maintenant! Quel est le plan? D'abord, le sale maintenant! Arrêtez! Atreus, reste concentré! Ah, putain, fais chier. Mon régène. La rune. Go. Ah.
Oh merde. Ah là on est bien là. Fou. C'était un bon combat. J'ai beaucoup aimé. La maladie. La fièvre est revenue. Non. C'est faux. Atreus. La toux, le sang. Ton fils est malade et il a besoin de Freya. Non. Doucement. Ça va aller. C'est bien, petit. Je vais bien, tu vois. Et un de moins. Un dieu de moins. On devrait le surveiller. Le combat était bien. J'ai bien aimé. On avait du régène, tout ça, donc ça s'est bien passé. Mais c'était pas facile non plus. Donc c'est cool. Ça suffit. Ça devrait. Avec ça, nous pouvons graver la rune menant à Jotunheim et à votre destination. Et nous pouvons aussi ouvrir toutes les portes fermées par un sceau magique que nous avons vu, comme celle qui se trouve dans ce coin. Tu peux passer cette porte maintenant que tu as le burin. Comment on... Faut faire la croix, pardon. Non, c'est R2 qu'il faut faire, putain. Voilà. C'est Diabolito du grand art, c'est ça. La destruction, le combat, la violence. Tueur, tueur de dieu. Pas qu'un peu. C'était un dieu, mais il l'a tué. Un as mineur, certes, mais oui. Et son père est Thor. Pas mineur, celui-ci. Pas du tout. Ça ne sera pas sans conséquences, Asgard. Je nous ai défendus, rien de plus. Je ne crains aucun jugement. Un jugement, non. Mais pour ce qui est d'une vengeance. Depuis quand peut-on tuer un dieu? Depuis que ton papa, c'est un dieu aussi. Ton papounet, c'est un dieu. Heureux, Saphir. Ça va. Je me rappelle plus où elles sont, les machins. Là. Où sont les pierres? Alors ça, c'est déjà le coffre. Aha. Je me rappelais qu'il y avait une pierre qui était complètement cachée derrière une... derrière la glace. Ah, il en reste un... peut-être sur la droite.
pas aller là. Si quelqu'un se rappelle, criez. Ou alors c'est plus loin peut-être. Laissez tourner le live, puis pouf, dormi jusqu'à maintenant. C'est ça que j'aime. Moi j'aime que mes viewers... Ah, elle est là. Mes viewers s'endorment devant le stream. Mais parfait. Catalyseur glacial. Et on remonte. Voilà. Quand vous aurez récupéré la pierre à aiguiser, prenez-en le plus grand soin. On est déjà venu ici. Comment repartir ? C'est une relique inestimable. Est-ce qu'on a des nouvelles choses ? Non. Okay. Bon bah merde. Bien, continuez à fureter. Nous trouvons quelque chose à fabriquer après. Ah ouais, non, faut la porte en bas. Je n'ai pas l'impression que le petit aille bien. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Dans ce cas, ne traîne pas. Oui, père. Tada! Hé, je viens de réaliser. Magni n'est pas revenu à la vie. C'est intéressant. On sait que les As trouvent eux-mêmes la voie du Valhalla. Pas de Valkyrie en escorte, pas de traitement aux portes des Limes, c'est peut-être un signe. Ah oui, il n'y a plus de Valkyrie. Les Limes est plein, ou je sais plus trop. J'ai tout loupé. Tada. Non, pas tada. Tada là. Poussière de royaume. Très bien. Regardez, on est de retour à la main du géant. Quel est cet endroit ? Les pêcheurs débarquaient à la prise du jour dans ce port et utilisaient cette chose pour en envoyer une partie directement aux cuisines du Jarl. Le reste était trié et vendu. Il y a une sortie sous le pouce. Trouve un moyen de passer. Je crois qu'il faut envoyer le gosse, si je me rappelle bien. Non ? Là. Il y a une ouverture. Je peux l'attendre. Il y a un chemin vers la sortie de l'autre côté. Ah oui. Ça bouge. On arrive.
On arrive, petit. Ah, c'est là, on va devoir aller à Elheim. Si je me rappelle bien. Parce qu'il faut récupérer le cœur. Parce que le petit va devenir très malade et tout machin, il lui faut le cœur, je crois bien. Si c'est dans l'ordre dont je me souviens. C'est ça? Ouais. On va devoir aller chercher les dagues du chaos qu'on a déjà. De retour sous sa main. Nous y sommes presque. Y'a quoi là? Ah oui, on est de retour. Oups, désolé. Tout cassé. Pfiou. Après tout ce qu'on a fait. Escalader le corps d'un géant, chuter sur un grand marteau, affronter des dieux malfaisants. Qu'est-ce que tu crois que Mère dirait? Que tu as fait d'énormes progrès. Merci. Aha! C'est l'heure de Valkyrie. Je sais plus s'il y en a une là. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je crois que c'est une Valkyrie là. On va rire. Là, Atreus. Il y en a un autre. Ah, tu le reconnais. Atreus. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, Atreus. Cet endroit, il ressemble à une prison. Cela expliquerait l'imposant verrou magique à l'extérieur. Aïe, 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 aïe. Pas seulement ça. J'ai comme l'impression... que quelque chose nous attend. Tu as un don pour les annonces dramatiques, petit. Quel genre de choses? Je sais pas. Quelque chose de puissant. Quoi que ce soit, Atreus, nous le surmonterons, comme nous l'avons fait jusque-là. Oui, père. Oups, de l'autre côté. Yes, Valkyrie. Ah, maintenant il va falloir se rappeler des différentes Valkyries et de différentes attaques, oh mon dieu. Ça va revenir sûrement en combattant. Comme le vélo. Ça revient. Quand on se met sur un vélo, logiquement. Pas de corbeau. Ok, let's go. Première Valkyrie en New Game Plus. Une Valkyrie? Mais je croyais que c'était des esprits. Soyez prudent. Une Valkyrie en chair et en os. Je ne connais pas d'adversaire plus redoutable. Elle ne nous attaque pas. Elle ne nous a peut-être pas vus. Allez, c'est parti. Ok, oh la vache. Des dégâts quoi. Ok, elle c'est celle qui enchaîne les attaques jaunes. Ah ça, faut l'éviter par contre.
Voilà. Ah merde. C'est quoi ce flash? Pom. On va faire ça. Oh, elle m'a touché. De ma forme corrompue. Vous avez ma reconnaissance éternelle. Mais mes sœurs demeurent prisonnières. Prenez mon home. Trouvez-les. Délivrez-les. Le destin des Valkyries est entre vos mains. GG, merci. Ah, récompense. Je vois du rouge. Le destin des Valkyries. A l'air très important. C'est le moins qu'on puisse dire, petit. Qu'est-ce que tu sais d'elle? Oh. Bonne question. Difficile à dire. J'en sais plus que la moyenne, quoiqu'une grande partie de leur histoire soit teintée de secrets. Mon expérience avec les Valkyries s'arrête à mon emprisonnement. Tu ne réponds pas à la question, tête. Je te l'ai dit, mon frère. Je ne sais ni comment, ni pourquoi elles sont devenues ces créatures abjectes. Mais peut-être qu'en en libérant d'autres... Tu voudrais qu'on en affronte d'autres? Le destin des Valkyries, petit. Il n'existe pas d'entreprise plus noble. Ce sera dangereux. Jusque-là, ça ne t'a jamais arrêté, petit. À la bonne heure. Je pense qu'avec l'armure, ça se passe bien. Le fait de récupérer des pierres, là, tout ça... Genre si la vie est pleine, on récupère de la rage et tout. Franchement, ça... Ça marche bien. J'aime bien les ce qu'on a. Alors... Faudra un moment que je prenne genre 5-10 minutes à regarder tout ce qu'on a. Parce qu'on a tellement de choses nouvelles. Enfin, l'or, je pense pas que ce soit très important. Forte chance d'obtenir un atout barrière protectrice qui immunise contre les dégâts des attaques ennemies à chaque parade réussie. Ok, d'accord. Apparemment, on a des trucs complètement pétés. Que j'avais pas vu. Par exemple, ça, il faudrait l'utiliser. Mais je prendrai un moment pour changer. Alors, augmente légèrement la vitesse de sprint maximale. Des bofs? Non? Ah.
La hauteur d'un tatouage comme subissait de dégâts. C'est bof, non? Pourquoi on a des trucs rouges pourris? Augmente légèrement la vitesse de sprint maximale et en sprint 33 secondes, la lourde imparable. Déception quand tu nous tiens. Ah là 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 là. Oh la déception. Non, enfin. Espérons trouver du truc un peu mieux plus tard. Allez, go! On fait quoi? On prend le bateau? Ouais, on prend le bateau. On va écouter les histoires. Freya devrait peut-être jeter un œil au garçon. Non. Je me sens mieux. Je dois juste reprendre mes esprits. Où est-ce qu'on va? Maintenant que nous avons le burin du géant, nous devons découvrir la rune qui mène à Jotunheim pour la graver sur la porte spéciale, sur le pic, et ainsi ouvrir le passage vers le royaume des géants. Tu la connais pas? Hélas, non. Mais le serpent a dit que les géants avaient confié ce secret à Tyr. Tyr n'est pas mort? Si, mais son tombeau secret est à notre portée. L'entrée se trouve sous son temple qui est alors, c'est pas maintenant. Par le lac depuis des générations. Jusqu'à ce que notre ami le serpent se décide à bouger. C'est là que nous trouverons la légendaire rune noire de tout le monde. On pourrait aussi continuer d'explorer. On a trouvé le burin et le tombeau va pas s'envoler. Ce serait dommage de pas servir du bateau. Nous verrons, mon garçon. Non, il faut d'abord trouver la rune, remonter sur le sommet, mettre la rune. Après, Kratos, il va combattre... Baldur. La porte va être détruite. Et c'est là que effectivement, c'en était assez. Atreus va s'énerver. Le conseiller le plus brillant d'Odin se résolut enfin à trouver une voie plus éclairée. Il décida de négocier un traité de paix entre les dieux. Il dut se montrer très convaincant, car Odin finit par accepter d'épouser son ennemi juré. Une déesse vane, légendaire tant pour sa beauté fertile que pour sa maîtrise de la magie vane. Odin convoitait depuis si longtemps. Freya a épousé Odin. Qu'est-ce qu'elle y gagnait? Elle s'est sacrifiée pour protéger les siens, dans un acte de pure compassion. En vérité, elle méritait mieux que cela. On va aller mais là. Bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là. On pourrait amarrer le bateau ici. Yeah. On va faire un peu d'exploration. Ah! Ah merde, c'est une cloche. 1, 2 et 3. Ah ouais, carrément. Tu viens de me contrer. Alors que tu m'avais pas vu. Pas mal. Ah, ça t'apprendra. Voilà. Oh, les explosions que ça fait, quoi. C'est stylé. Faut baisser cette grille. Ouais, faut trouver aussi ce. Et merde. Ça fait le même résultat, pareil. Faut tuer le corbeau.
là. Maintenant on fait le tour. Oh! C'est pas maintenant? Ah non, faut d'abord aller là. Kratos, raconte-nous une histoire. Je vais vous parler de la fois où j'ai empalé l'hydre sur le mât d'un bateau. C'est ça les histoires de Kratos. Enfin, quoi que non, les histoires de Kratos, elles sont beaucoup moins mouvementées que ça. C'est genre l'histoire du scorpion et de la grenouille, truc comme ça. C'est bon comme ça ? Très très platonique les histoires à Kratos. Bon, on reprend le bateau, on va de l'autre côté. Pas qu'Odin et Freya aient été mariés. L'amour et la haine sont entremêlés bien plus que tu n'imagines. Vois-tu, Odin déteste les géants et inversement. Mais la mère de Thor est pourtant la géante Fjörgyn, l'un des grands amours d'Odin. Ou je peux te raconter cette histoire plus tard. Plus tard. Ah, on est reparti. On peut passer à droite. Ouais. Pas d'histoire, tête. Merci. Lancer de nain d'arbre en écho. Kratos gagnera à tous les coups. Voilà, on est bon. Île suivante. On va aller accoster l'autre côté à gauche. À tribord, côté gauche du bateau. Voilà, là. Oh, ça a récupéré. Waouh, il y en a deux. Et elles sont énormes. Pourquoi elles bougent pas? De quoi tu parles, gamin? Et tu disais que Thor est mi-dieu, mi-géant. C'est bizarre. Oui, mais l'amour entre Odin et Fjörgyn était sincère. Une fois Fjörgyn parti, Odin vécut dans la solitude. Et alors que la guerre contre les Vannes faisait rage, je voyais bien ce qui se cachait derrière ces bravades. Tu sais quoi? Je te la dirai plus tard. Ah oui, il faut faire tourner ça. Non, pas besoin de la hache. Tu es plus concentré. Oh, faut d'abord détruire en haut, faut détruire en bas.
Eh merde. Réflexe. Bien. Plein de coffres à prendre ici. Je crois qu'on a oublié de tuer un ancien quand on est parti de la zone de glace. Que je l'ai fait avant qu'on passe en New Game Plus, je me rappelle. Avant-hier. Enfin bon, c'est pas grave. Fais-je. Du coup, il nous manque encore un. Non, ça c'était pour la porte. En dessous là, je crois. Tada. Normalement, on a fini sur cette petite île. Je crois. À moins qu'il y ait un truc en bas. Non, il y a un truc en bas encore. On est bon. On est bon. On avance bien vite hein, quand même. Cette fois, je suis sûr d'avoir vu quelque chose. Je l'ai vu aussi. Freya a bien dit que la tour du royaume de Jotunheim avait disparu du lac. Mais peut-être pas entièrement.
En effet, c'est étrange. J'ai jamais vu ça. Je me rappelle pas du tout avoir vu ça la première fois que j'ai joué au jeu. Ce n'est pas aussi simple. Mais j'espérais que l'amour l'adoucirait et nous apporterait la paix. On va où là ? Et après d'âpres négociations, Freya finit par accepter. Attends, c'est Volund, c'est d'où on vient, non ? Dans un premier temps, le charme a vraiment opéré. Odin avait l'air heureux et il semblait vouloir la rendre. Vu qu'on y est, je vais juste faire un petit tour. Il a accédé à plus de ses souhaits que je ne pourrais en compter. Vite fait. La paix était durable et j'ai vraiment cru que les choses s'étaient déroulées mieux encore que j'aurais pu le prévoir. Mais le véritable visage d'Odin refit bientôt surface. Oh, il gagna la confiance de Freya et elle lui a appris une partie de la magie Van, un autre choix qu'elle regretterait amèrement. Hélas, malgré les efforts de son sage conseiller pour le convaincre que la paix était le seul et unique moyen de le rapport, Odin était toujours obsédé par Jotunheim. Ou je peux te raconter cette histoire plus tard. On n'est pas venu ici. Pas encore, en tout cas. Shadow of the Tomb Raider. Et oui, parce que Tomb Raider, avec des chiffres, c'est démodé. Donc maintenant, on met des titres à la con. C'est les reboots, c'est la magie des reboots. J'ai jamais vraiment aimé, moi, leur système d'enlever les chiffres. C'est bien les chiffres. Ça crée des ordres. C'est bien l'ordre. Quand on veut faire les jeux par ordre. C'est bien. Ah, t'as déjà joué à Tomb Raider? Lequel? Celui-là en 97 ou celui-là en 2013? Bien. Ah. Et Tomb Raider 2, mais tu parles duquel? Tomb Raider 2 en 99 ou... Enfin, 98, je crois. Ou alors Rise of the Tomb Raider, qui est sorti après. Et là, on va pouvoir faire exactement la même blague avec le 3. Enfin, tout le monde le fait, hein. C'est pareil avec Doom, et maintenant il y a Doom Eternal, c'est Doom 2, quoi. J'ai un autre service à vous demander. Oh yes, service. Qu'est-ce que tu veux, nain ? J'ai une nouvelle... Une nouvelle piste ? Je vous ai... Yes ! Est-ce que c'est là, par contre ? On doit faire quelque chose ? Non, là on l'a fait, non ? On l'a fait, c'est fini, hein. On n'a pas besoin d'être là. N'hésite pas à revenir avec plus de rebuts à refaux. Ok. Faut aller à la porte. On se casse. Ouais, non, on a déjà fait ici. On va prendre la porte magique. Viens, Atreus. Je crois qu'il y a une vidéo qui est sortie il y a pas longtemps de Shadow of the Tomb Raider. Il montre des ennemis, je crois. Je l'ai pas regardé par contre. Hein. J'ai pas envie de me spoiler non plus, à mort. Je crois qu'il montre pas mal d'ennemis qu'on va rencontrer dans le jeu. Atelier de Brock.